Bonjour, bonsoir, salut à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer sur After Effects comment faire ceci. Sans plus tarder, on va essayer de faire ça en autre manière, un autre mode, comme vous venez de voir sur After Effects, ISV, et comment faire n'importe quel texte, n'importe quelle police. Sans plus tarder, on va créer un nouveau projet. Enregistrer ça. Que je vais appeler nouvelle composition de 10 secondes. Moi je peux faire mes 5 secondes. 5 secondes, je prends HDV et je mets ici par exemple à vous. Si vous voulez, vous pouvez mettre quelque chose ici. Moi je peux faire laisser comme ça. Je clique sur OK. Et je vais amener un background. Comme I, CTRL I. Pour que sans plus tarder, je vais aller chercher ce background dans la bibliothèque essayer de créer quelque chose. Moi je vais mettre par exemple mon nom comme vous avez vu sur le tuto ISB. La police, moi j'ai utilisé du STD. Vous pouvez utiliser d'autres polices hein, comme vous voulez. Ça peut s'appliquer à tout. Ok. Mon texte est bien placé comme je veux. Ok, je cherche maintenant l'effet trait. Voilà, trait que je vais glisser et mettre sur ISB sur le texte. Okay. Sur le texte, ok, l'effet est là. Et puis, la chose à faire maintenant, c'est de jouer votre calabasse pour mieux. C'est max ou en cliquant sur plume, vous venez sur plume et vous commencez à faire ceci, faire comme moi. Voilà.
Moi. Ce petit max, maintenant la chose à faire c'est sélectionner notre texte B et on va cocher tous les max. Tous les max maintenant, on va essayer d'augmenter maintenant l'épaisseur maintenant. Par exemple, à 13, moi, je vais mettre ici 13. Ok, 13 c'est bon. Maintenant, je viens ici maintenant. Deux bûches. Le but c'est ici que tout va jouer quoi, c'est ici que tout va se passer, se fendre. Maintenant je vais essayer de dézoomer ça par exemple à 3 pour mieux voir ce qu'on fait. Par exemple si j'ai diminué par exemple comme ça, vous voyez maintenant la valeur. Donc la chose à faire maintenant c'est de diminuer ça à 0 et vous le mettez là à sur le début de l'équilibre. Si vous voulez aussi vous pouvez faire un petit décalage, un petit décalage, un petit décalage comme ça et vous cliquez sur on va essayer de jouer sur les clés, les points d'entrée et les points de sortie. Par exemple les clés, par exemple si je clique ici, ici j'ai une clé ici dans effet prêt, j'ai une clé qui est affichée ici, vous voyez ces clés là, et maintenant je vais essayer de décaler ici jusqu'à par exemple à 2 secondes et je me mets à 100%. Ok, maintenant dans ce type de peinture maintenant on va prendre ici affichage original. Affichage original maintenant c'est ce qui va faire tout le travail. Et qu'on clique comme ça et on est bon. Par exemple je vais essayer de le faire sur ça et je vais faire la rendue et vous allez voir le travail. Ouais hein. Nice. Et maintenant on va essayer par exemple de changer la couleur quoi. Par exemple vous pouvez si vous avez un effet par exemple un magic bullet bleu, on vient sur effet magic bullet bleu. Cet effet là c'est pas gratuit, c'est payant quoi, sur certains sites il y a des hackers aussi. Bon, deuxième chose à faire aussi, si vous n'avez pas ces magiques pour jouer maintenant à la couleur, maintenant pour faire une belle couleur, c'est-à-dire l'étalonnage, par exemple, un bon étalonnage, vous avez à faire ça aussi, calque, décomposition, fusionner ces calques d'abord à deux, et maintenant on va essayer de créer un autre ennemi en faisant contrôle. Calque d'effet, vous voyez ici ce calque d'effet, on clique et on va essayer de chercher courbe, on va essayer de déposer ça sur calque d'effet et on va essayer de jouer avec. C'est pour eux aussi qui n'ont pas de magique pour les flots quoi. Voilà, aussi bleu. Voilà, bleu.
Et voilà le travail quand j'ai fait la rendue. Je crois que vous avez arrivé à comprendre, c'est plutôt simple et ça prend pas beaucoup de temps. Et je crois que vous avez aimé. Si vous avez aimé, faites un j'aime ou abonnez-vous. C'est mon troisième tuto. Je crois que vous allez aimer. Et j'ai besoin de votre commentaire. Merci.